à base du moringa, ces chips locales made in Sénégal sont une première sur le marché sénégalais. L'entreprise qui a cette exclusivité collabore avec 5 concept stores à Dakar pour promouvoir le produit. Nous avons mis au point les chips de moringa. Nous connaissons tous les vertus du moringa. Donc nous avons décidé de présenter le moringa sous une autre forme, qui sera une alternative aux chips industrielles. Nous avons des gens qui commencent à découvrir, nous avons des addicts, nous avons des commandes de 1-2 kilos souvent pour des apéritifs. Ces chips ont été mises en vente depuis 2020 à Dakar. Mais la pandémie a ralenti les activités de cette entreprise éco-sociale de l'ONG Nebedaï. La structure est en partenariat avec plus de 300 transformatrices sénégalaises, toutes issues de Tumbakuta, une région située au nord-est du pays. Cependant, ce produit local est bien apprécié. Un produit nouveau que j'aimerais que mes clients découvrent, parce que souvent, quand on part d'un pays, dans la coutume africaine, il faut amener des présents. Et je trouve que voilà, c'est une bonne façon de proposer un produit naturel que nos braves mamans ont préparé en coopérative, voilà, dans le respect de l'environnement, voilà, pour montrer un petit bout du Sénégal. Voilà. De passage dans cet hôtel, Stella découvre les chips du moringa. Le moringa, j'aime bien, parce que là, chez moi, on le prépare avec un plat à part. Mais pour les chips, je n'ai jamais goûté, mais là, je trouve que c'est très délicieux. Le moringa est riche en calcium et en vitamines. Il améliore ainsi la santé. D'ailleurs, il y a plus de vitamine A dans le moringa que dans d'autres sources de ses vertus, comme les carottes. Pour la responsable de vente de MAM Nature, les Africains devraient davantage consommer leurs propres produits.